Cette petite vidéo afin de vous présenter le Voxi One smartphone pour malvoyants qui a beaucoup d'applications intégrées, notamment une machine à lire, une loupe électronique, un lecteur de code barre, un lecteur DESI ou encore un lecteur d'étiquettes, avec un design adapté pour les malvoyants, avec ces gros boutons qui se trouvent en bas là, de l'écran. En fait, on a une navigation qui est très simplifiée, hein, seulement trois boutons pour l'ensemble des manipulations du téléphone. Alors avec le Voxi One, toutes les commandes sont vocales, en tout cas peuvent l'être si vous le souhaitez. Donc vous avez juste à appuyer sur le petit bouton sur le côté, appeler frangin, appel sortant vers frangin. Et voilà, il appelle. Alors tout à l'heure je vous parlais de la partie commande vocale, hein. Tout le téléphone est navigable par commande vocale. Par exemple pour écrire un texto, hein, message. Envoyer un nouveau message. Nouveau message. Vers un contact favori. Vers un contact. Un Laurent. Frangin. Salut Frangin, comment va ? Salut Frangin, comment va insérer ? Et voilà, votre message est prêt à être envoyé. Donc très simple, très efficace, vous voyez, tout en commande vocale. Le Voxi One peut être chargé de deux manières. Hein, comme d'habitude, via un câble USB que vous brancherez directement au téléphone. Et également grâce à sa base chargement sans fil, qui permettent de recharger son téléphone juste en le posant. Le Voxi One a également une loupe, un outil très utile pour les malvoyants. Donc je vous montre, hein, là j'ai sorti un petit magazine Mieux Voir. On va passer en mode loupe. Loupe. Loupe allumée. Voilà, donc là on est en mode loupe, hein. La loupe est vraiment très pratique, hein. Elle permet de bien voir ce qu'on lit, et on peut également passer, donc vous voyez avec le petit bouton sur le côté, on peut également choisir son contraste, comme sur un vidéo agrandisseur ou un télé agrandisseur. Vous voyez là, on a plusieurs choix, donc là je suis en mode noir et blanc. Aucun film. Texte noir, texte blanc sur fond, texte noir sur texte jaune sur fond bleu, texte bleu sur fond jaune. Voilà. Et toujours la possibilité, bien sûr, de prendre en photo. Hein. Hop, je vais essayer. Voilà, donc là j'ai pris en photo, reconnaissance. Et il va nous lire le texte. Le Voxi One fait également lecteur d'étiquettes. Vous pouvez étiqueter différents types de choses chez vous. Du pot de confiture aux objets divers de votre bureau. Ça permet de différencier des objets de taille ou de forme similaire, ce qui est pas négligeable. Alors, je vous ai préparé une petite étiquette. Mieux voir tout pour les malvoyants. Donc, ce petit texte, je l'ai enregistré tout à l'heure. Vous avez 50 étiquettes qui sont livrées avec le Voxi One. Ça va vous permettre d'étiqueter tout plein de petites choses chez vous. Le Voxi One lit différents types de codes-barres, notamment des codes-barres pour livres, tout ce qui est livre, tout ce qui est médicaments et tout ce qui est alimentaire. Donc là, par exemple, pour un livre, hop. Produit, texte CLES d'esthétique contemporaine, art, pose. Donc texte clé de l'esthétique contemporaine. Et voilà. Alors on a vu qu'on pouvait lire des codes-barres de différents types, notamment des codes-barres de médicaments. Donc là on a une boîte de paracétamol, hein, et on va passer le code-barre devant. Paracétamol 1000 ans 1 gramme. Voilà. Et là vous voyez, vous avez exactement la notice d'utilisation, hein, avec l'utilisation, les effets indésirables, la conservation, les infos supplémentaires. C'est vraiment très détaillé. Pour chaque médicament, vous aurez toutes ces indications.
Alors tout à l'heure, je vous parlais des codes-barres pour tout ce qui est alimentaire. Hein, là, on a un vinaigre balsamique bio. Hop, aïe, il a repéré. Vinaigre balsamique Elise et Félicie 25 cl. Ingrédients: vinaigre de vin, moût de raisin, arôme naturel, Et extrait voilà. végétaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.